La Belle Bleue, bonjour. 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 On est très content de vous avoir ici sous Biochène. Ah, merci, on est bien. Et nous aussi. Comment est-ce que vous avez commencé? Je crois que c'est en 2004 que vous avez commencé. Ouais. Est-ce que vous êtes rencontrés tous les cinq? On s'est rencontrés tous les deux fin 2003. Par des amis communs. Des amis communs, on faisait la fête, on chantait des chansons, voilà. Quels sont les festivals que vous appréciez particulièrement? On a eu la chance de faire le festival Le Poupée en Vendée il y a deux ans. L'année dernière. L'été dernier, ouais. C'est vraiment mortel. Cette année, on a fait le festival Viens dans mon île sur l'île Dieu en première partie de M. Il y avait Mieux Sec aussi au concert de TFM. Mieux Sec aussi. Mieux Sec aussi. On a joué aussi avec les Ogres il y a quelques années. Il y a quelques années là, oui. On a réussi à s'incruster sur des belles scènes de temps en temps. Ouais. Ça fait plaisir. En général, ça a bien, c'est efficace. Alors, dans la revue de presse, on décrit votre musique comme étant un délire onirique. Un mélange entre le délire onirique et la conscience sociale. Comment on arrive à faire les deux? C'est surtout sur l'album précédent, il y avait quelques chansons avec des thèmes sociaux. Mais la plupart de nos textes sont quand même assez métaphoriques. On aime bien l'écriture qui laisse place à l'imagination pour celui qui l'écoute. On aime bien de temps en temps raconter des histoires un peu plus précises, mais souvent c'est quand même assez barré. Comme tout ça sur il n'affiche jamais, on préfère pas y voir au travers. Sous le capot, il y a des crises saisonnières. Ne réveillons pas le loup, il est beaucoup trop fier. Pourquoi diable est-ce encore ton nom qu'il rembobine? Pourquoi diable est-ce encore ton nom 100 fois sans plaie sur la bobine, avec cette musique qui ronfle? Les accidents de la routine marquent des flashs ça et là, mais ne l'écarte pas du maudit moelleux sofa. Pourquoi diable est-ce encore ton nom? Partage ta folie en 2007. Ouais, premier album, morceau de papier en 2010. Quel a été l'état d'esprit sur lequel vous avez travaillé pour Le Refuge? Donc Le Refuge, c'est le prochain, il sortira en novembre. Il est un peu plus rock comme album quand même. Et un peu plus noir. Il est un peu plus noir, ouais. On peut le dire. Pourtant, on était de bonne humeur. On n'a pas cherché tout, à le faire. Hein. C'est pas un souhait, c'est les morceaux qui sont sortis. Ça vient comme ça vient. C'est comme ça que il ça est plus ambiancé rock quand même. Parce qu'il y a plus de sons de guitare électrique qu'avant. Après, on fait toujours des morceaux acoustiques. On a un style assez éclectique puisque les morceaux ils varient pas mal. Dans le style, il y a des influences un peu plus reggae, des trucs un peu plus rock. Et puis après, très chansons françaises aussi. Donc on essaye de trouver le meilleur univers pour chaque texte. Quoi. Ça fait 10 ans que ce statut vit.
1, 38 il en fait 50, un sourire figé long sur son malheur. Les gros voyous sont dehors, c'est eux qui décident ou pas de restaurer mon cachot de merde. Je me calme. J'ai passé un coup de fil négocié, évidemment. Sous l'œil d'une machine ou à l'heure humain, elle n'a pas décroché. Que peut-elle bien faire? Mon imagination était la flamme de mon feu de joie et la presse de mon bûcher. Y'a plus d'avenir, j'suis le jour le jour. Dehors, j'y fais pareil, mais j'avais le choix. J'ai brûlé dans les larmes, je suis riche en temps. Sauf qu'ici, le temps, c'est l'ennemi. Mais je dois me plaindre, suis-je poilé à suer? J'retourne dans ma cage, au bord d'acier. J'en passe de 5 minutes, puis me plante dans un sommeil culturel. J'm'appelle le numéro 11240 et je n'existe plus.